Vétérinaire, parce que je suis une passionnée d'animaux depuis toute petite, vraiment passion pour les chiens. Je regardais beaucoup de séries et tout ça, ça m'a inspirée. Je me voyais en fait distribuer des rôles aux acteurs, aux amis. Je voulais être écrivaine parce que ça me paraissait tellement sage et intellectuel, voilà, et j'adorais lire. En fait, je ne savais pas trop, mais je savais que je voulais faire quelque chose avec des gens. Et après, quand j'étais un peu plus âgée, je voulais être journaliste. I wanted to be a Bible teacher because I was very much interested in the Bible and I thought to study it and what can you do with it besides being a teacher? I want to be interior designer. I like to design things and I have a lot of design games and it's very fun for me. Coiffeuse. Je trouvais que c'était un peu... qu'il y avait moyen de faire plein de coiffures. Je trouvais ça joli au niveau esthétique. Avocate. J'ai toujours imaginé ma profession en tant qu'avocate, donc défendre les gens. A veterinarian. Because I love animals and I love to be in touch with them. So it was like the perfect profession for that. Je voulais être styliste parce que j'aimais bien la mode, j'aimais bien dessiner. First, I wanted to be a singer. After that, I wanted to be hairdresser. And last, I wanted to be a dentist. Donc Dophie, c'est un peu comme toutes les filles, genre chanteuse, actrice, et puis après, astronaute et ou prof après. Pour chanteuse et tout, c'est ce qu'on voyait le plus. On voyait beaucoup de femmes, donc c'était ça qui m'a inspirée. Et astronaute après, j'aimais vraiment bien les sciences et donc ça me plaisait vraiment de partir là. Au début, je voulais être styliste et travailler dans la mode, travailler dans une maison de haute couture ou même dans une boutique pour faire ce que j'aimais, quoi. Prof des écoles. Professeur des écoles à la base. J'aimais bien les enfants, le monde de l'éducation, surtout dans le sport, quoi. Donc, ouais, ça m'a toujours plu, ça. I like to be now comment se dit infirmière? Nurse and a dancer. At first, I wanted to become a famous actress. After that, I opted to maybe become a dentist. Ich glaube, der Berufswunsch hat sich jede Woche geändert und es war querbeet alles dabei. Von der Lehrerin zur Journalistin zur Reisereporterin. Das war, glaube ich, der größte Wunsch. Ich glaube, es ging rein danach, auf was ich wirklich Lust hatte und meine Interessen. Und die galten viel dem Reisen. Ich habe schon immer gerne gelesen. Ich glaube, deshalb ging es sehr in diese Richtung. I wanted to work with animals, so I suppose I wanted to be a veterinarian. I just had such a fascination with them, loved them. I had little toy animals as a kid and I'd always play with them. Trabajar en una tienda de Playmobil porque me gusta trabajar en eso, porque los Playmobil me gustan y tengo muchos. Je voulais être pompière, après entraîneuse de sport et après kiné. Parce que ça met les sports et contact social. Pferdetrainerin und Sängerin, weil ich Pferde liebe und singe. Aujourd'hui, je suis institutrice maternelle. Finalement, je me suis orientée vers la réalisation audiovisuelle que j'aime beaucoup. Je suis comédienne, et metteur en scène et étudiante de kinésithérapie. Et donc maintenant, je fais quelque chose de super chouette. Je travaille pour un festival socioculturel dans l'espace public et ouais, j'aime bien ça. Je coordine de production, logistique, j'ai coordonné la communication, donc voilà. Well, I want to become an illustrator. And I was an illustrator for many years and currently I'm a product designer. Maintenant, je suis psychologue, je travaille en psychiatrie, en hébergement avec des adultes. Actuellement, je fais des études de droit, donc j'essaye de un peu assouvir ce rêve. Now I'm a biotechnologist, so nothing related with vets. Aujourd'hui, je suis barmaid et plus tard, j'aimerais bien devenir community manager. I work at a bank. Maintenant, je suis étudiante, donc rien à voir en économie. Aujourd'hui, je me dirige plus vers l'économie. Actuellement, je suis directrice d'un périscolaire. Right now, I'm studying law. Heute bin ich Dozentin an der Universität. Today I'm still a student. I'm studying to be a computer scientist. Maintenant, je suis en études en sciences politiques et en ingénierie en génie mécanique et automatique.